1313-51, les stations fréquences de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Alors côté circulation, eh bien, comme d'habitude, c'est le caca sur le pont, c'est le caca sur la rocade, c'est le caca partout habituel. Et 1313-51, Billy, comment vas-tu? Et bien là, j'ai mis trois quarts d'heure là, pour aller de Mérignac au pont d'Aquitaine. Là, je suis rendu là, dans le virage de l'Ormeau. J'ai entendu Roger B, je t'ai vaguement entendu parler, mais là je suis dans la zone là où ça passe plus très bien. Là. Il est derrière, mais bon. Ça bouchonne en direction de Paris. Bon, attention à des stations là, qui prennent la direction de Paris là, depuis Bordeaux. Ça a l'air de bouchonner. Là j'ai aperçu des camions de ça, qui sont à l'arrêt. Ou pratiquement au rocade de rive droite aussi. C'est le caca tout pareil. Oh, j'ai l'impression que c'est le bordel partout. Depuis ce matin, de toute façon, c'est déjà le bordel. Il y avait une heure ce matin pour récupérer la 63, alors. Aïe aïe, et 73-51 de Dindy 33. Ok, ouais, bah de toute façon, là, c'est... maintenant c'est tous les jours comme ça. Ça ferme à toi. Ouais, les amitiés de Nono 24, pas de soucis. Nono 24, oh, mais on s'est déjà parlé. Ouais, ça me parle de Nono 24, oh, ouais, on s'est déjà parlé. Ah, il y a eu le Roger Beep, mais pas ce qui va avec. Ah ouais, désolé, j'étais en train de regarder un truc en même temps. Ouais, j'imagine. T'as les yeux qui traînent. Ah, il y a que ça à faire, alors. Ouais, voilà, c'est ça. Puis toi, t'es bien placé, là. Affirmatoire. Ouais, putain, mais tu m'arrives fort. Hein. Là, je suis au niveau de Ford, là, sur la rocade rive droite, là, à côté de la station essence, là, qui est en travaux. Hein. Ah, ouais, ok, mais je suis en train de grimper sur le pont d'Aquitaine, là. Ah, ok, d'accord. Et je descends sur la 63, là. Mais bon, de côté, il t'annonce 48 minutes, et de ce côté, il annonce 38. Alors, bon. Poker, toi. Ouais, bon, dans le pire, t'as pris le moins pire, quoi. C'est déjà ça, quoi. Ouais, mais avec un peu de bol, tu vas mettre plus longtemps de ce côté que de l'autre, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ils font passer, alors on est bon ce qu'on voit, ça n'est pas le temps de savoir. Hein. Ouais, voilà, exactement, t'as raison de le prendre comme ça, et puis ça permet de regarder le paysage. Affirmatoire. C'est exactement ça. Bon, moi je suis dans ma voiture, donc je suis pas assez haut. Hein. Je manque d'altitude là, pour avoir une bonne vue. Quoi. Ah oui, il faut. Ouais, c'est vrai. Mais on dirait qu'elles sont frileuses en ce moment. Ouais, ben lundi justement, tiens, au boulot, j'ai une petite anecdote à ce niveau-là.
Il y en a vu une, je te garantis qu'elle n'était pas frileuse celle-là. La vache. Là où j'étais au boulot, bon je vais pas dire où j'étais hein, non plus, mais il y en avait une qui avait un décolleté jusqu'au nombril, et puis je te garantis qu'il n'y avait rien en dessous. Oh putain, j'étais bleu quand elle est passée devant moi. Tu m'étonnes, mais c'est bon ça. Ah, tu m'étonnes. Là, j'étais surpris. Quoi. Pour tout te dire, je suis agent de sécurité. Donc, tu devines très bien ce que je faisais là, à ce moment-là quand la voiture est passée devant moi. Donc, putain, là, bon, au départ, j'aperçois juste le décolleté jusqu'au nombril. Ok, bon, d'accord. Et puis elle avançait doucement pour se faire ouvrir l'entrée. Et puis, les montagnes étaient belles. Hein. C'est bon ça. Eh bien, il n'y a pas de souci. Et je t'envoie les bons chiffres, et puis je commence à te faire un peu. Donc je t'envoie les bons chiffres, et puis c'est qu'à Ok, Nono 24, il n'y a pas de problème. Les besoins 13-51, toi, de la part de Dandy 33, et bonne route. Ah, il n'y a pas de soucis, 351. Allez, ciao. Ok, ciao. La deuxième ou troisième voiture devant moi, il y a un radio amateur. Là, je ne sais pas si on voit là si son antenne là, sur le toit. Antenne VHF ou VHF. Attention, Vega 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, Apache 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, Billy 24 pour Dandy 33 qui t'appelle depuis les Bigarou. Oui, affirmatif. Voilà, je viens de passer les Bigarou. Ah, ça fait carrément toi, j'avais des clients, ça vient chercher des raisins notables. Alors, c'est pour ça, Bébé, va s'en rapprocher là, je vais l'entendre là-bas, c'est impeccable. Bébé, les bonnes amitiés, mon petit Rémi, j'espère que tu vas bien. Eh, mais tout ça retourné, Billy. Oui, putain, mais là, je t'entends bien.
Ah ouais, je l'entends derrière, mais bon, c'est pas grave, moi ça me dérange pas plus que ça. Ouais, je vais le couvrir, je sais pas ce que je vais faire. Bon, c'est tranquille, c'est vrai que c'est pas agréable ça. Bon, petit bico, j'espère que t'as passé la bonne journée là. Ah, ben, journée de pro, ouais, qui s'est bien passée. Ouais, ouais, bon, du boulot, hein. Tant qu'il y a ça, bon, c'est super. Mais bon, oui, et puis demain je retourne encore au même endroit, là, sur Mérignac. Ouais, ça fait lever tôt ça. Et là, c'est vrai que là, en ce moment, ouais, c'est, je me lève à 4h30. Hein. Ah ouais. Bon, nous, c'est exceptionnel, quoi. C'est pour les vendanges, tout simplement. Hein. Voilà, c'est pour manger de la vendange le plus frais possible, quoi. Ouais, t'as bien raison. Hein. Ah, pendant que j'y pense, hier, on parlait là, de ton antenne, la 11 mètres là, que tu as sur le toit de la maison. Est-ce que, à tout hasard, tu te souviendrais des codes comme ça, là, de tête? Oui, j'ai le compte, j'avais fait le plan, je vais l'avoir, c'est quelque part, voilà, le bobinage, je vais garder les comptes pour que je regarde, parce que c'est vrai qu'il y a un jeu des fesses, parce que je crois que j'ai mis 9 mètres de cuivre, et après j'ai fait un bobinage sans le tour, je vais te le dire, je vais l'avoir dans mes, pour le rechercher, mais je sais pas où c'est, par contre. Ok, à l'occasion, ouais, ça m'intéresserait si je pouvais passer. Et de photocopier le plan avec les codes et tout pour le, si ça ne te dérange pas, pour le mettre à disposition après sur le forum. Ah oui, enfin, il n'y a pas de problème. Mais après, tu as un logiciel, tu sais, pour calculer, pour te faire les antennes. Tu as un logiciel qui. Moi, je me demande si je ne vais pas regarder ce seul, le logiciel. Tu veux une antenne de 9 mètres de long, tu vois, en cuivre, et ils te disent après combien le bobinage, ce qu'il te faut comme un balourd, tu sais, pour compenser après. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi, oui. Ouais. Non, il y en a, mais c'est. Disons que. Ouais. Bah, si t'as. J'entends bien. Mais avoir le plan aussi là pour mettre à disposition sur le forum, ce serait pas mal. Ouais. Enfin, la photocopie, quoi, bien entendu. Hein. Ça, je sais que ça plairait à du monde. Ça, oui, c'est sûr. Parce que je l'ai vu dans l'antenne, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'elle fonctionne vraiment bien. Hein. Ah ben ouais, mais bon, je suis là un peu à fond avec le RCI, là, je suis à 15 watts, 15, 16 watts, hein. Je suis à 1 TOS, là, je vois bien. C'est vrai que ça va pas voir, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ouais, surtout pas de canne à pêche carbone, quoi, surtout pas. Voilà. Et puis après, il faut mettre des cales, c'est pour que ton fil soit droit dedans, tu sais, tu perds des petits trucs de polystyrène, là, et puis après, bon. Mais j'ai pas pris de photo, c'est vrai que je l'ai faite, là, j'ai pas trop. Je dois avoir des côtes, ça c'est sûr. Mais tu vois, j'avais pas trop pris de photos, c'est dommage. Ouais, mais bon, déjà, ne serait-ce que le plan, ce sera déjà pas mal. Hein. Parce que là, comme ça, vu la description, elle ressemble à l'antenne qui est plus courte d'ailleurs. Oh, bah, ça y est, je vais pas me refoutre le nom en tête. Zut, une 5/8e, ouais, je crois que c'est ça, une 5/8e, pareil, faite avec du fil, comme ça, là, que tu attrapes avec une canne à pêche. Plus bobinage la self pour compenser, pour rattraper. C'est pas grave, le nombre reviendra pas. Ouais, après t'as toute la série des antrons, tu sais, les antennes fibres, là, hein, t'as les antennes fibres de personne. Bon, après, c'est mieux fini, c'est sûr, t'as des fonctions qui sont plus costauds, bon, c'est différent, voilà. Mais enfin, après, en fin de compte, après, tout c'est pareil, t'as le fil de cuivre qui monte dedans, hein, c'est le même système, hein, voilà. Après, c'est plus propre que moi, voilà, c'est tout. Hein. Oui,
bien sûr, non, mais c'est pour le plaisir de mettre une bidouille justement dans la construction d'antennes, justement là aux stations qui sont sur le forum. Ouais, ça m'a pris l'occasion sur la brise. J'ai marqué, j'avais fait des antennes, mais il faut que je le retrouve parce que je voulais mettre de côté, mais après je regarde un petit peu parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je vais monter quand même. Je me rappelle pas, ça fait au moins une dizaine d'années que je l'ai, que je l'avais monté ça là. Ah ouais, il me semble. Oh oui. Et pour la canne à pêche, faut surtout pas prendre de canne à pêche en carbone, hein, c'est bien ça. Hein. Ah oui, ça bloque les ondes, le carbone. Non. Une canne à pêche normale en fibre de verre. Pas de carbone, surtout pas de carbone. Donc c'est conducteur le carbone et ça bloque. Ouais, bien sûr, parce qu'il y en a qui se font avoir avec ça, justement. Ouais, mais là, ça marche pas, hein. Ah, pas bon, hein. Ah, bien entendu, oui. Non, parce que là, j'en ai vu justement là qui a pris ça là, pour se faire une antenne et tout ça. C'est comme là, là aussi, ça ne me viendra pas le nom. Cette antenne directive en forme de cadre horizontal, elle est faite avec 4 cannes à pêche de mise en proie. Bah, là aussi, c'est pareil, il y en a qui ont pris des cannes à pêche en carbone. Ils n'ont pas forcément eu les bons résultats avec. Hein. Ah ouais, non. Moi je m'étais monté à l'époque là une Netago au-dessus directive là avec un fil de cuivre pareil, 11 mètres, 2 cubes de 11 mètres, un récepteur, un émetteur. Et ça marchait hyper bien pour le DX là au début. Je me suis fait ça au début. Hein. Avec un fil de cuivre, sans ballon, pareil du tout, hein, direct. Ouais, et l'autre là. J'étais en train de frôler l'herbe là sur le bord, l'autre là, il s'est même pas rangé, puis il me regardait comme une bête curieuse. Quoi. Ouais, ok, ouais. Justement, tiens, pour la Delta Loop, dans les plans là que j'ai sur le forum, j'ai deux versions. J'ai la Delta Loop filaire et l'autre rigide. J'ai les deux plans là sur le forum. Ah ouais, d'accord. Bon, je l'ai fait la filière parce que c'est le plus facile à faire. Mais en rigide, ouais, c'est plus lourd en rigide, c'est plus lourd. Voilà, c'est bon, performance, je sais pas, peut-être par rapport à la grosseur du diamètre, c'est un peu plus performant, peut-être, je sais pas, peut-être. Bah, disons que l'utilisation n'est pas la même, hein. Puisque bon déjà la version est je suis à 7 de passage et puis j'attends quoi, je sais pas, de dégel peut-être, voilà, je suis en partie. La filière elle est surtout pour un autre usage, hein, puisque dans les plans là que j'ai, bon bah tu l'attends au sol, la pointe accrochée à quelque chose, à un arbre, quelque chose. Bon déjà c'est différent comme utilisation. Hein. Ah oui, mais il faut quand même deux éléments, hein. Il faut quand même deux éléments. Moi j'avais monté deux éléments, un élément récepteur, un élément émetteur. Enfin, c'est ce rotor, hein. Tu sais, il y a un espacement milieu, je crois que c'est 2 mètres et quelques, je crois, entre les deux éléments. Je ne me rappelle pas le... Ok, il y a des ondes là, qu'est-ce que c'est ça? C'est un relais qui marche là. Et puis non, ça n'est pas, il y a une longueur à respecter, mais c'est pareil, j'avais une côte là, de ça, mais ça marchait bien. Et l'avantage de cette loupe que j'avais faite, c'est comme ça là, avec du fil de cuivre, c'est que c'est mi-horizontal, mi-vertical. Quand je faisais les X, je chauffais autant de mecs en vertical qu'en horizontal. Ok, d'accord, ouais, non, mais c'est pas du tout la même Delta Loop filaire. Celle dont j'ai les plans sur le forum, c'est la elle a qu'un seul élément. Et donc tu tends le triangle au sol et puis la pointe accrochée à un arbre, quelque chose comme ça. C'est déjà différent. Hein. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est différent, je connais pas en fait. Ouais, j'ai entendu parler, me semble, mais il y a plein de bidouilles, tu sais, après je connais pas toutes les bidouilles, mais t'as pas mal de bidouilles, moi je te parle l'aide à l'autre, voilà, par contre je l'avais fait il y a bien 20-25 ans, quoi, hein, je l'avais fait là. Il en avait des bidouilles. Ah oui, tu m'étonnes. Autrement, oui, c'est l'antenne. Est-ce que c'est le je reviens à la verticale, elle n'a pas un nom précis des fois là, cette antenne là, que tu t'es fait? Elle a pas.
Ouais, je suis arrivé dans Sainte-Colombe, là je suis entre les bâtiments. Ouais, je te demandais si elle n'avait pas un nom bien spécifique, un nom précis comme antenne. C'est que j'ai fait, hein. Oui, la verticale. Ah non, 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 après c'est l'onde entière, hein, que j'ai raccourci un petit peu parce que bon, je ne pouvais pas faire une canne à pêche de 11 mètres, mais non, c'est une onde entière. Ok, d'accord, ouais, je suis en train de reculer chez moi. Ok, d'accord. Parce que, attends, c'est sinon, dans le même style, attends, il y a l'antenne Cobra qui est connue sous pas mal de noms. Mais bon, là, je crois que c'est plus du genre 5/8e. Hein. Quelque chose comme ça, oui. Toi, ça ressemble un petit peu moins bien chez toi. Moi, t'es dans un trou chez toi, là. C'est vrai que ça ressemble un petit peu moins bien. Toi, t'es à 1,5, 6, ça fonctionne. Ah, je suis trois coups. Ouais, voilà, là je suis stationné là devant le QRA. Alors comme à chaque fois là j'ai 3 tonnes de QRM là devant la maison, je sais pas pourquoi. Je suis pile là où tu avais fait des essais là depuis la voiture en VHF ou UHF, je sais plus trop. Hein. Et que tu avais aussi remarqué que de ce côté-là, ça passait très mal. Là, je suis pile à cet endroit-là. Quoi. Bon, allez, je vais te laisser. Merci pour le QSO, les versions 1351, 212. Bonne soirée à toi. Et demain, je sais pas si je prends la voiture ou la moto. Bon, on verra bien. Ah, je suis trois coups. Et merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, merci, bye bye. Ah, c'est étonnant ces QRM parce qu'ils viennent vraiment là du QRA, hein, ceux-là. C'est bizarre. Allez, 73 à tous, à plus.